C'est dans la solennité d'un culte chrétien que la Guinée équatoriale a choisi de célébrer la 55e édition de la fête nationale le 12 octobre 2023. La cathédrale Saint-Jacques-Apôtre et Notre-Dame du Pilier de Bata a accueilli l'office en présence du chef de l'État, Teodoro Obiang-Nguema Mbasogo, en communion avec la population. Dans un discours à l'occasion de la fête nationale publié le 11 octobre 2023, le dirigeant équato-guinéen a invité son peuple à accompagner les projets de développement gouvernementaux, gage d'indépendance économique du pays. Une nouvelle forme d'autonomie qui, selon le président Obiang-Nguema Mbasogo, serait elle aussi un hommage aux luttes anticolonialistes qu'a connues le pays. Le manque de liberté et l'autocratie de la période coloniale n'est pas l'état de liberté démocratique et de respect des droits de l'homme que l'on connaît aujourd'hui en Guinée équatoriale. En particulier en ce qui concerne le développement général de la nation, nous pouvons affirmer que nos projections Horizon 2020 ont été réalisées à la satisfaction de nos attentes, même si je voudrais faire un point de correction concernant l'opinion de nombreux compatriotes. Notre processus de développement est dynamique et, comme on peut le constater, les projections actuelles du gouvernement sont incluses dans le nouveau plan économique Horizon 2035. L'indépendance demeure une valeur cardinale pour la Guinée équatoriale. En novembre 1965, la 4e commission de l'Assemblée des Nations Unies approuva un projet de résolution dans lequel il était demandé à l'Espagne de fixer la date de l'indépendance de la Guinée équatoriale. À la tribune, lors de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations Unies en septembre 2023, la Guinée équatoriale a recommandé le dialogue et le respect de la souveraineté de chaque État. Nous insistons sur la nécessité de réformer le système des Nations Unies, y compris le Conseil de sécurité qui est aujourd'hui impliqué dans l'une des plus grandes injustices, à savoir la non-application du droit international. Nous exhortons les États à s'abstenir de promouvoir ces mesures car elles représentent un obstacle sérieux au développement des États. Le gouvernement a convoqué et autorisé un référendum sur l'indépendance en Guinée équatoriale le 11 août 1968. Le oui l'emporta par 64,32% de l'électorat, ouvrant ainsi la voie à l'adoption de la première constitution du pays. La Guinée équatoriale est, depuis lors, le seul État souverain d'Afrique qui parle espagnol.